Donc on va maintenant en fait vider le dessous du banc en fait. Donc pour ça on va d'abord créer trois guides. Donc vous cliquez sur mettre hein, comme d'habitude. Voilà. Vous cliquez sur le bord gauche du banc. Voilà. Vous tirez vers la droite en restant sur l'axe rouge. Surtout vous ne recliquez pas. Vous tapez 10 pour 10 cm, valeur qui va apparaître en bas à droite de l'écran. Et vous voyez avec la touche entrée. Voilà. Donc même chose pour le haut en fait. Hein. Vous cliquez sur la raide du haut. Vous descendez en restant sur l'axe bleu, surtout vous ne recliquez pas, 10 pour 10 cm, au clavier, entrée. Même chose pour la raide de droite, voilà, 10, on clique, alors soit ça s'accroche à 10 cm, ou alors vous laissez comme ça, hein, dans le vide, vous ne recliquez pas, faites 10 pour 10 cm, et on va aider avec la touche entrée, voilà.